Journée des métiers 2018, déjà un succès avant son démarrage, puisque plus de participants que les années précédentes, presque 250 personnes, c'est du jamais vu. Ça veut dire que les gens vont bien et sont heureux de se rencontrer à nouveau. Une journée plus riche que d'habitude, effectivement, nous allons délivrer plus de résultats d'études et de documents aux participants cette année. Des études sur le nombre de chantiers en France, des études sur les constructeurs de matériel en France. Enfin, voilà, on a un certain nombre de postes qui augmentent quand même de façon soutenue. Le secteur du bâtiment aura connu une très bonne année 2018. Donc la croissance de l'activité aura été aux environs de 2,5% en volume sur l'ensemble de l'année 2018. Pour l'année 2019, on aura un premier semestre qui est aujourd'hui assuré, l'activité sera bonne. Ce sera sans doute un peu plus compliqué sur le deuxième semestre, compte tenu de chiffres négatifs que l'on observe aujourd'hui, du côté notamment du logement neuf, avec des ventes, des permis et des mises en chantier qui s'affichent en repli. Pour les travaux publics, l'année 2018 sera une année très bonne en termes d'activité, puisqu'on devrait terminer en chiffre d'affaires sur une évolution de l'ordre de plus 8%. Pour parler de 2019, l'ensemble de nos maîtres d'ouvrage devrait être orienté plutôt positivement. En premier chef, les collectivités locales, également une locomotive qui s'appelle le Grand Paris, avec là aussi des investissements en forte hausse pour l'année 2019. Les régions qui sont positives aujourd'hui, c'est plutôt les régions même de l'Ouest. La conjoncture aujourd'hui du marché de la construction est très variable suivant le bâtiment ou le TP. Dans le bâtiment, en 2019, nous, on annonce moins 4% en nombre de chantiers. Sur le TP, plus 2%, donc une croissance qui se confirme depuis plusieurs mois sur la partie TP. L'année 2019 sera une bonne année. C'est vrai qu'à partir de la deuxième moitié 2019 et sûrement 2020, ce sera plus difficile. Et pour le bâtiment surtout, le TP devrait continuer à bien se comporter. Nous allons aussi proposer un annuaire des distributeurs, des réseaux de distribution en France. Nous lançons ça à l'occasion de cette journée, l'idée étant de donner une meilleure visibilité de ce qu'est la distribution de matériel en France. Cet annuaire va regrouper les différents groupes avec les marques qu'ils représentent, les sites sur lesquels ils sont implantés, les activités. Donc nous avons envoyé un questionnaire à toutes les entreprises qui pouvaient être intéressées et ceux qui n'ont pas encore répondu sont bien évidemment invités à nous rejoindre pour que cet annuaire soit le plus représentatif possible et qu'il ne regrette pas de ne pas y être. Nous allons aussi présenter le kit du loueur. C'est un document qui fait une quarantaine de pages où tout loueur de matériel trouvera tout ce qu'il faut savoir d'un point de vue contrat, assurance, protection du risque financier, procédure à mettre en œuvre quand on veut faire de la location. Quand tout va bien, il n'y a pas de souci. Quand tout va bien, tout va bien. Quand une chose dérape, c'est pas la loi de modernisation économique qui s'applique, c'est la loi LOM. C'est la loi des emmerdements maximum. Le kit du loueur reprend le cycle opérationnel de la location. Donc ça démarre par le matériel, les parcs matériels. Donc il y a des thèmes qui abordent l'ensemble des parcs matériels. Les procédures tarifaires en agence, les différents tarifs qui peuvent exister. Les procédures opérationnelles en agence, pour faire simple, du départ de la machine au retour de la machine. Et enfin, les procédures administratives. L'objectif étant de remettre un peu de process simple pour les loueurs. Une journée qui va s'achever aussi par deux autres études. L'une sur la logistique et notamment le dernier kilomètre lorsque l'on délivre les matériels sur les chantiers. C'est une vraie problématique dans nos métiers. Et nous terminons sur quelque chose de totalement nouveau. Pour la première fois, nous allons étudier ce qui se passe sur l'Internet lorsque les clients vont chercher des matériels via les réseaux sur le net, via les plateformes, via certains produits qui existent déjà. En novembre, il y a eu 2 620 221 recherches sur des matériels concernant DLR et vous avez eu plus de 210 000 clics. Le volume est considérable. Ce sont des chiffres vérifiés. Je vais vous les montrer. Ils sont suivis. Cette étude a été menée en octobre et novembre et les résultats ont été extrêmement surprenants puisque nous nous sommes aperçus qu'en moyenne chaque mois, près de 2 millions de recherches sont faites pour louer ou acheter du matériel correspondant à l'offre des adhérents DLR. Et que sur ces 2 millions de recherches, il y a pratiquement 200 000 clics, c'est-à-dire 200 000 sélections pouvant, pour une partie significative d'entre elles, aboutir à des actes d'achat.
on s'aperçoit qu'une extrême minorité des adhérents est présente. Soit il va y avoir une prise de conscience et cela va être un moyen d'information qui va permettre le développement du chiffre d'affaires d'un grand nombre d'adhérents et parallèlement la réduction du coût des ventes, soit cela va conduire à une concentration du marché autour des quelques sociétés qui ont compris le phénomène et qui savent s'en servir. C'est une excellente journée que nous avons passée au pavillon Dauphine aujourd'hui. La conjoncture est quand même encore très solide et le restera au premier semestre 2019. Nous sommes effectivement toujours contraints par nos problématiques de recrutement et ça sera le prochain thème du congrès au mois de mars à Nancy, auquel j'invite l'ensemble des adhérents du DLR et même d'autres qui voudraient nous rejoindre pour une fédération puissante et professionnelle.